Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est 5 bonnes raisons d'aller au salon du cheval. Alors la première raison c'est tout simplement de rencontrer tes youtubeuses préférées, car tous les ans au salon du cheval, le salon du cheval organise pour les youtubeuses et les abonnés un meet-up, et c'est la seule façon pour nous et un peu pour vous également de nous rencontrer. Chaque année il y a de plus en plus de youtubeuses et les meet-ups sont de mieux en mieux organisés. Cette année 2 meet-ups sont organisés par le salon du cheval, donc le 26 novembre et le 3 décembre. Le 26 novembre il y aura 10 youtubeuses présentes et le 3 décembre il y aura 4 youtubeuses présentes si je ne me trompe pas. De toute façon on vous reparlera de ça prochainement dans d'autres vidéos. La deuxième raison pour venir au salon du cheval de Paris, c'est tout simplement de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles marques. Comme l'année dernière j'avais découvert le nouveau produit de Fugonza qui avait remporté le prix de l'innovation 2016, un truc comme ça. Donc le salon du cheval est un bon moyen pour découvrir de nouveaux produits et surtout de nouvelles marques, car il y a énormément de stands au salon du cheval où vous pouvez aller découvrir de nouvelles marques que vous n'avez jamais connues et surtout de voir enfin des produits de grandes marques comme CWD, Antares et de beaucoup, etc. Donc c'est un très bon moyen pour ça. Ensuite, la troisième raison qui se rapproche un peu plus de la deuxième, c'est de faire un max d'achats. Le salon du cheval, c'est vraiment un moyen de retrouver toutes les marques que l'on aime et surtout les marques qu'on désire le plus. Et c'est vrai que c'est un gros moyen pour acheter tout ce qui nous fait plaisir. Ensuite, la quatrième raison, c'est de pouvoir aller voir des spectacles au salon du cheval. Donc il y a la nuit au salon du cheval où il y a des grands spectacles, il y a aussi des concours de jumping, il y a des démonstrations de western, etc. Donc c'est vrai qu'au salon du cheval il y a plein de spectacles à ne pas louper. Et ensuite, la cinquième et dernière raison d'aller au salon du cheval, c'est tout simplement d'aller rencontrer vos champions olympiques préférés. L'année dernière j'ai pu rencontrer avec bonheur Roger Yves Bosse, que j'ai pu rencontrer, et j'ai pu voir un peu de loin Pénélope Le Provost. Je n'ai pas pu aller la voir plus près tout simplement parce qu'il y avait énormément de monde qui voulait lui demander des autographes, etc. Mais j'ai pu le voir de loin Pénélope Le Provost, et j'ai vu de très près Roger Yves Bosse, et c'est vrai que c'est vraiment fantastique de les voir parce qu'on est un peu... on a les étoiles un peu plein les yeux. Donc voilà les 5 bonnes raisons d'aller au salon du cheval. J'espère vous rencontrer cette année au salon du cheval, car je serai présente le 26 novembre, le 3 et 4 décembre. Le 26 novembre il y aura un meet-up d'organisé par le salon du cheval où il y aura plein d'autres youtubeuses. On est au moins 10. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous voir. Le 3 on sera beaucoup moins youtubeuses, mais on sera quand même 4. Il y aura Sohorsi, il y aura moi, il y aura Passionnément Cheval et il y aura Margot de la chaîne Equidream. Donc voilà, sinon je serai présente également le 4 décembre, mais il n'y a pas de meet-up prévu pour le 4 décembre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une vidéo organisation du meet-up pour savoir à quelle heure, quel endroit, etc. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.